Et salut à tous, on se retrouve. Alors, on va essayer un petit rush parce qu'il est déjà 21h in-game. Donc, on se retrouve pour la suite de l'épisode précédent où nous allons donc essayer de faire le système avec l'auto-spawner et tout machin pour pouvoir comment nous amuser un petit peu à faire pop des moutons pour la laine, parce qu'il va en falloir pas mal pour Galacticraft. Hop. Et du coup, ce que je viens de faire est une connerie parce qu'il faut que j'aille chercher encore un truc avant. Hop. Ça fin... Alors là, c'est le petit rush. Hein. Donc on va essayer de trouver. On a un peu de temps. Un mouton, un truc à sacrifier. Donc on va commencer par le rituel en fait. Donc le rituel, il est simple. Il se passe entre minuit et 1h in-game. C'est pour ça que je rush un petit peu en fait. Hop. Non, viens. Voilà. Donc on a notre mouton pour le sacrifice. Donc ça c'est une chose de faite. On va préparer la sigil aussi. On en aura besoin. Alors, 22h30. Ça va en un peu de temps. Donc comment ça se passe le rituel? Donc j'ai fait ma structure ici. Il faut savoir que donc. Hop. Voilà. On se met ici. Il vous faut une table d'enchantement. Il vous faut autour de la redstone. Il vous faut bien sûr la division de sigil qui s'activera. Vous la verrez commencer à briller à partir du moment où l'heure de rituel est plus ou moins approchante. Donc généralement elle commence à s'illuminer vers 23h30. À savoir qu'il faut absolument faire le truc entre 20, enfin entre minuit et 1h in-game. Il vous faut également une vision sur le ciel pour la table d'enchant. Donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai fait toute une structure autour en cobble. En dessous, donc là on a de la dirt hein, qui va rester. Voilà, la division de sigil se prépare. En dessous de la dirt, en fait, j'ai comblé avec de la cobblestone. Parce que quand la cursed earth va pop, elle a une sale tendance à se répandre. Donc là, nous ce qu'on veut en fait, c'est éviter qu'elle se répande partout, parce que sinon c'est de l'invasion des monstres. Hein. Je vous ai déjà montré comment c'était une. Comment? Une Rising, enfin une Blood Moon. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Hop. Ah, ça fait pas de Cursed Earth. Bon, elle est activée. Toi, dégage. Ah, ça me dit qu'apparemment ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ah si, ça a marché en fait, mais clairement. Bon, alors voilà, la cursette elle est à l'extérieur, donc on va la récupérer avant que ça s'étende de trop. De toute façon, au pire, quand il va commencer à faire jour, elle va cramer. Un peu le rush. Hein. Donc là, je me concentre surtout en fait sur le tuage de mob. On va récupérer la cursed. Je pense qu'on est un peu bon pour le moment. Alors, fini de récupérer tout.
Ouais, c'est pas grave. Là, l'important, c'est qu'il n'y ait plus de curseur à terre. Normalement, il n'y en a plus. On va refaire un tour pour vérifier. Donc, ça devrait être bon. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, l'activation de Sigil, généralement, quand je l'utilise, en fait, c'est surtout pour me faire les ailes. Mais là, les ailes, je les ai récupérées du coup avec la quête de l'End. Hein. Donc, on la gardera de côté pour le moment. Niveau Cursed Air, on est pas mal. Alors j'avais commencé à préparer aussi, hein. Ça c'est tous les câbles et coffres et tout qui serviront pour le système au-dessus, qu'on va commencer après. Bon, j'ai juste balancé tout ce qui ne me servira pas. Vraiment que je fasse un tri dans tout ça. Donc ça c'est good, ça on vire aussi, on n'a pas besoin. Division de Sigil, on va la mettre là. Du coup, on va se régénérer un petit peu quand même. Et maintenant, l'objectif sera par la suite l'auto-spawner. Auto-spawner qui est ici. Hein. Donc en Man Factory Reload. Ce qu'il faut que je regarde aussi, c'est le. Mode. Mind Factory Reload. Parce que le problème que j'ai, c'est que je me rappelle absolument plus de la machine qu'il me faut pour tuer les mobs. Ça, c'est con. Le grinder, ça. Donc grinder, il va m'en falloir facilement 5. Donc il va falloir que je commence par faire cuire tout mon rubber. Donc c'est il va m'en falloir 5, j'ai dit, hein. Donc on va déjà préparer les 5 épées en diamant, en gold. Une peau de 10 lingots. J'ai l'impression que la nourriture descend super vite, mais ça c'est parce qu'on régène. Alors je continue à rush, je sais même pas pourquoi. Donc, il va me falloir. On a nos 5 épées, ça c'est good. J'avais plus des Factory Machine Block ou je sais pas trop quoi là. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Des livres. Des livres, il en faut combien? Oh, 5. Ça, des livres, normalement j'en ai avec tous les enchantes que j'ai fait. Ah oui, non, j'en ai plus. Ok. Tout va bien. Aller chercher de la sugarcane. On va faire un max de papier comme ça on sera tranquille. Après vous me direz il faut que 5 bouquins. Est-ce que j'ai encore du cuir? Oui.
Je suis débile. Voilà, le papier était là. Bref. 5 livres. Jusque-là, c'est bon. Va nous falloir des pistons aussi, ça on les fera après. T'en es où, toi? Je vais attendre vite fait que celui-là est fini, parce qu'il faut que je relance une deuxième fournée en fait. Parce que donc le rubber que vous récupérez en goutte, vous le cuisez une première fois, ça va faire une barre de rubber, et il faut la recuire une deuxième fois pour faire de la poudre de rubber en fait. Et c'est la poudre de rubber après qui va nous servir à faire ceci, plastic sheet, pour après faire les factory machine block. Donc hop. On les refait cuire un coup. Et maintenant, on va aller faire nos 5 pistons. Tant que je suis là. De fer. Il va me falloir 5 de redstone. La redstone, je l'ai déjà mis là-dedans. Problème. Hop. Tant qu'on est là, il n'y a pas de bois. Non. Va chercher le bois en bas, la cobble. Le problème, c'est de retrouver à chaque fois tous les trucs. C'est un merdier. Alors, j'ai du bois là. Voilà. De la cobble, je dois en avoir dehors. Au pire, s'il n'y en a pas dehors, c'est pas grave. Il y en a dans les coffres que je laisse traîner là-bas. Les coffres, en fait, je les laisse traîner parce que je sais pas où les ranger. Ah ouais, et je crois que la cobble, je la vire en fait. Mon Dieu. Et je crois que j'ai utilisé le restant de cobble que j'avais pour faire la structure là-bas. Bon, c'est pas grave. Donc 5 pistons, il va me falloir 22 cobbles, c'est parti. Donc on va faire nos 5 pistons. Alors, Green Drew. On a presque tout. Il nous manque juste maintenant tout ce qui est Factory Machine Block. Va attendre d'en avoir 40 parce que c'est par 4 que ça traite. Voilà. Par l'extérieur. Voilà. Donc j'ai dit que j'en voulais 5. Qu'est-ce que j'ai oublié? Stone par 3. Ok, 6 cobbles. On va les refaire cuire ça du coup. On va attendre un petit peu. Après, je sais qu'on va poser les premières machines, mais je sais pas encore comment on va les arranger. Ce que j'ai prévu en fait, je vais vous montrer après, j'ai prévu les deux sas, mais sans plus, j'ai juste fait les trucs de base. Bon. Donc.
Pénible. Ok. Peut préparer le premier en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me suis amusé. Donc là on va avoir l'endroit où les mobs vont spawner, qui vont être grindés par du coup le grinder. Hein. Après je suis en train de me demander si je l'ai pas fait un peu trop grande celle-là. Je l'ai fait en 7 par 7, je vais peut-être la rediminuer et la faire en 5 par 5. Attention, ça c'est rapide à faire. Pourquoi je dois faire en 5 par 5? C'est parce que je pense que le grinder. J'ai un doute en fait. Bon, vous savez quoi? On s'en fout un petit peu. On va laisser en 7 par 7. Donc il en perd du temps. Bon, on va passer. Va passer par au-dessus. Heureusement qu'on vole. Donc du coup, que je réfléchisse. 3, 4. Donc le grinder sera là. On va le mettre. Hop. Ou il a pas aimé. Il a pas du tout aimé que je le mette. Donc maintenant on va l'alimenter en énergie. Et merde. Après, je me dis s'il a pas aimé le premier grinder, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, tu décolles ou quoi? Donc énergie. Ouais, on a une belle chute de FPS quand je regarde. C'est le temps que ça se stabilise. Ok, ça c'est bon. Niveau énergie, ok. Il va me falloir ça. Que je fais passer par au-dessus. Je vais mettre le stockage en haut. Ouais, pourquoi pas. Ce que je vais faire, je vais mettre le stockage des items en bas. Une chose qu'il faudra que je fasse aussi, c'est la painting machine en fait. Pour me permettre de cacher après tous les câbles que je branchais là. Alors si je veux faire ça de façon simple, de toute façon ce sera modifié par après. Hein. C'est déjà pas mal. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi j'étais aussi loin en fait. Hop, on va régler vite fait ça. Donc, insert, extract, hop, extract, insert.
Donc là, en fait, le système que, enfin, le système, tous les coffres que je suis en train de mettre, ça va juste être les items que le grinder va récupérer. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il va également produire du fluide. Et c'est lui que je vais faire partir par au-dessus. C'est ce liquide-là en fait qui va me servir après pour l'auto-spawner qu'on mettra ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, ce que je viens de poser, ce sont juste des tanks en fait d'open block. Chaque tank a une capacité de 16 000 millibuckets, donc en gros de 16 seaux. Insert. On va venir ici. Donc ça, c'est les items et ça. Les fluides. On est presque bon sur celui-là. Je crois que l'auto-spawner, ce sera pour le prochain épisode. Alors maintenant, je vais reprendre directement le stack de 64. Dans la logique, pas censé. Ah oui, si, c'est normal. Donc là, je pose ma Cursed Hearth en fait, qui va faire pop des mobs en permanence. D'ailleurs, faut que je me magne. Hop, faut que je sorte. Faut que je ferme. Voilà. On redescend. Donc du coup, on a ici le grinder. Donc, la Cursed Earth fait pop des mobs, le grinder les tue, et il récupère deux types de choses. Il va récupérer d'un côté du liquide, donc de la mob essence qui monte et qui va aller dans les tanks que j'ai mis là-haut, et de l'autre côté, il récupère des objets qui va, pour le moment, balancer ici dans les coffres. Par la suite, je mettrai peut-être des barrels ou ce genre de conneries pour stocker. Après, je sais pas si j'en aurai vraiment besoin. Donc voilà, mais il n'y a plus qu'à le laisser tourner. Et apparemment, ils sont hors de portée, ces petits cons. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est du 5 par 5. Donc il faudra que je diminue en fait un petit peu la zone. Bah, c'est pas grave, pour le moment ça tourne. Alors, si on va voir au-dessus, on voit que la mob essence commence à arriver en fait. Et ça, la mob essence, je vais en avoir besoin après dans l'auto-spawner pour l'alimenter, pour lui permettre de faire après. Comment? Faire pop les mobs, tout simplement. Donc là, ce que je vais m'amuser à faire, je peux déjà le mettre. Hein. L'auto-spawner viendra plus tard. Vient de tuer lui. Ah, il tue les buisses, ok. Ah, je crois que 7 par 7 ça marche. Hein. Okay. Enfin, de toute façon, je peux laisser du 7 par 7 parce que les mobs ont quand même tendance à bouger. Donc au final, ils vont revenir vers la zone de grinding. Voilà, pour le moment, on peut juste mettre ça comme ça. Petit à petit, ça se remplit. Et là où on va rigoler après,
que ouais, il me semble bien que c'est du 5 par 5. Et ici, je crois que j'ai fait une salle de 9 par 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc c'est pour ça que j'en mets 4 en fait. D'ailleurs, on peut peut-être déjà commencer à les placer. Donc si je veux 1, 2, 3. On en mettrait un premier ici. Train de réfléchir. 1, 2. Donc je partirai du coin là. 1, 2, 3, c'est ça. Ah, il est mal mis lui. C'est là que je dois le mettre. Le suivant viendrait ici. Ouais, si je me... Voilà. Hop, le suivant, je le mettrai là. Ça, c'était une erreur. Mais je vais pas avoir le choix. Et donc le dernier viendrait là-bas, ici. Donc là, on va juste faire tout ce qui est maintenant câblage de ceux-là. Espérant en fait que j'ai assez d'énergie pour alimenter tout. Ça devrait aller normalement, mais on verra. Hop, tout est câblé. Maintenant, on va refermer ici. Alors, ici, c'est fermé. On va passer par l'intérieur. Ce sera plus facile. Donc les grinders sont en place. Ici je peux les laisser ouverts de toute façon pour le moment. Maintenant ce qu'il va me falloir c'est du câblage. Parce qu'ils vont aussi récupérer des items. Là, ça va être compliqué. Bon, pour le moment, je vais juste câbler, je vais configurer après. Allez, hop. C'est pas juste, j'aurai assez normalement, oui, mais... Sait-on jamais. Donc là, je suis en train de câbler
avec les items conduits, et en fait je vais les faire revenir vers un autre coffre. Je sais pas encore où je vais placer. Ok. Et maintenant, pareil, il va falloir que je fasse une sortie en fluide. C'est ça que j'aime bien avec ces câbles-là, c'est qu'on peut tout mettre en fait sur un seul bloc. On n'est pas obligé de mettre sur un bloc le courant, sur le bloc au-dessus comment l'item, sur le bloc encore au-dessus le fluide. On peut tout mettre sur un seul bloc. Et puis après, si vous voulez faire du propre, vous avez la painting machine qui va vous permettre de faire des façades en fait qui vont cacher carrément tous les câbles. Tout ce bordel que l'on voit pour le moment, après moi je peux le recacher. Limite ce que je peux faire. Que j'ai accès ici. Donc, item, on extracte. Fluide, on extracte. Ok. Pareil ici, extract, extract. Extract. Voilà, je vais juste placer encore le coffre et puis pour l'auto-spawner, on le fera au prochain épisode du coup. Et le coffre, si je veux qu'il soit bien, allez hop, je le mets là. Alors, est-ce que j'y ai accès ou pas? Non. Et là, insert. Donc tous les items qui vont être collectés ici par les 4 grinders de cette partie-là seront envoyés vers le Diamond Chest. Voilà. Et maintenant si on regarde ici, on voit qu'on récupère des Ender Pearls et on récupère de tout en fait. Et là après moi j'ai juste à avoir à faire mon stockage un petit peu, vérifier qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je balance et tout. Donc voilà, sur ce 33 minutes, on va se laisser là. Donc ça va tourner. Seule chose que je peux encore faire ici, même si ça tombe pas encore, c'est relier. Hop. Alors, le problème. Bon, la mauvaise essence tourne ici. Ouais, ça va. J'ai juste que vu qu'il aligne tout en fait, du coup il a rejoint, donc ça c'est bon. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, il y a de la mauvaise essence, mais ça diminue. On verra par la suite. Façon, au final, tout sera envoyé en haut, donc. Après, si je veux, je peux faire plus simple pour éviter ce genre de problème. Donc je récupère ça, ça et ça. Petit aménagement de fin. Ce qu'ils sont là. Hop.
Son tout est en extract, hein, donc ça finira par monter. Jusque-là, il va remplir les câbles maintenant. Donc voilà, bah sur ce, on va se laisser là. 35 minutes, c'est pas mal du tout. Même si on a pris. Pourquoi t'es là, toi? Ouais, parce qu'il y a un manque d'éclairage. Ok. Donc ça, c'est normal que ce soit comme ça. Ça, ce sera pareil. Le manque d'éclairage, il est ici. Hop, une torche. Je pense que tout le reste est bon. Alors je me suis dit oui pour le fun de mettre tout du dark glass ici aussi, comme ça dès qu'on arrive au-dessus, ouais, on peut voir tout ce qui se passe en dessous. Et du coup on aura pareil là-bas en fait. Ici quand on aura l'auto-spawner ça va être pareil, pour voir tout ce qui se passe. Donc voilà, je vais couper là et puis bah, rendez-vous au prochain épisode pour la mise en place de l'auto-spawner. On fera la Safari Net réutilisable pour aller chercher les moutons, histoire de commencer à faire tourner cette petite ferme à moutons, et puis on continuera tranquillement Galacticraft. Allez, des bisous.